I have two brief questions I'd like to ask, if I may. When you were carrying out that incredible moonwalk, did you find that the surface was equally firm anywhere, or were there harder and softer spots that you could detect? And secondly, when you looked up at the sky, could you actually see the stars and the solar corona in spite of the glare? We were never able to see stars from the lunar surface or on the daylight side of the moon by eye without looking through the optics. I don't recall during the period of time that we were photographing the solar corona what stars we could see. I don't remember seeing anything. Nine steps are what you take walking on the moon. I hope my legs don't break walking on. This time I'd like to introduce the Apollo 11 crew. Astronauts Neil Armstrong, Michael Collins, Edwin Aldrin. C'est un anglophone francophone. Je vais vous dire un exemple. Il est vraiment, c'est un gars qui est vraiment dans sa bulle parce que c'est un peintre extraordinaire. Oui, c'est lui. Alors, c'est un peintre extraordinaire. Il est vraiment dans son monde parce que lui, il peint sur des planchers avec des mops. Vous allez découvrir un gars assez spécial. S'il vous plaît, on accueille très, très fort Matthew Boylan! C'est ça, Philippe dit que je suis un peintre durant la journée, donc j'ai beaucoup de temps à penser à des affaires assez weird. Un petit peu, combien de monde ici pense qu'on atterrit ça là? Là, tu sais, si vous pensez qu'on n'a pas atterri ça là. Ah, parce que c'est un gros débat là sur l'internet présentement. Il y a plein de théories de complot comme hey, les ondes du fusée, ça marche pas les ondes des astronautes. Hey, tu vois un spotlight dans le casque de l'astronaute. Hey, le drapeau américain là, il est pas suspendu comme dans un état de zéro gravité. Plein d'affaires comme ça. T'as juste à penser à les images qui te fournissent. Première image, on commence. Ça, c'est la fameuse photo de la mission Apollo en plein d'alunissage sur la croûte lunaire pour la première fois. Mais le problème troublant avec cette photo-là, c'est qu'elle était prise de la surface de la Lune. Voilà, je sais pas c'était quoi la grosse affaire avec le premier homme sur la Lune. Me semble le caméraman qui était déjà là. C'est drôle, je trouve ça cute, là, NASA, chaque semaine, là, il nous fournit une petite image, là, pour nous faire croire dans le plus récent défi, là, on s'en va à Mars, à vers Jupiter. Prochaine image, ça, c'est le projet Galileo. Ils ont payé des trilliards de dollars, envoyé un satellite Galileo pour la première fois à la surface de Jupiter, qui est aussi suivi par un caméra satellite qui filme le fucking satellite. On va sortir du boîte ce soir, hein? C'est ça qui est drôle. Faut pas oublier, en 1969, le contexte de la technologie, hein? Tu sais, la plupart des gens, il n'y avait même pas de télé. Il y avait du monde, là, qui croit, même aujourd'hui, qui ont atterri sa lune parce qu'ils l'ont vu sa radio. Il est en train de salon, là! Ils sont en train d'allumer! Petit pas pour l'homme, mais si j'entends les pas. Il est là! 1969! Pense à ça, la technologie du temps, là. Il n'y avait pas de cassette VHS, mais pas de bêta, là. Pas de câble, là. Mais pas de satellite, là. Là, il parle à un gars sur la Lune, OK? 300 000 milles de la surface de la Terre à travers l'électromagnétisme de l'atmosphère, là. Il parle à un gars en analogue, là, fucking clair. Fucking clair, là. Houston, vous avez annulé, ouais, un petit pas pour l'homme, un grand pas. Non, moi je m'envoie en dessous un fucking pont, mon Fido Cup. Mon fucking Fido Cup. Maman, un ascenseur, là. Oh non, je te perds. Je suis en train de fucking monter vers le ciel. Je perds le signal. Mais là, tu parles un gars, ça lune, là. Claire, là. Fucking caméra, VC. Qu'est-ce qui t'intéresse à la prochaine image, hein? Tu sais, là, même si ça a l'air d'une photo, hein, t'as regardé la Terre, vu de l'espace, on est supposé de regarder ça puis dire, ah, si, ouais, c'est vrai. Mais comment tu vas savoir vraiment que ça a l'air de ça? Ça a l'air de ça. D'être là. Tu sais, là,
ouais, ouais, ça a l'air de ça, du point de vue que je vais jamais voir. On fucking emballe ça, ouais, c'est la Terre, t'es dans l'espace, tabarouette. Là, ils ont fait 6 missions à la Lune, de 69 au milieu des années 70, OK? Enlevez-moi la prochaine image, là. Mais qu'est-ce qui est intéressant, tu s'en vas, tu vas sur Google, là, puis tu pitonnes image de la Terre vue de l'espace. Là, tu vas avoir comme une trentaine de pages sur Google qui vont se présenter. Mais là, regarde proche toutes les images. C'est toujours juste celle-là. Prochaine image. Tu sais, c'est le même, ils ont juste changé la contraste. C'est la même formation de nuages de l'Est d'Afrique, l'Inde. C'est toujours le même affaire. Non. Toujours. Là, c'est-tu fucking NASA là, qui interrompt ça, là, c'est-tu? Regarde, à toi, à travers les ampoules, hein? OK, bon. Mais regarde, là, les plus petits, ils l'ont pas qui crazy, les plus sauvages. C'est la même image. Même image. 6 missions, 400 trillions de dollars. Ça va sa fucking lune, là. Puis t'as juste une image de la Terre. Juste une. Moi, je comprends, là, tu s'en vas du camping, t'as pacté tout dans le char, t'es salope, t'es parti. T'oublies le caméra. T'oublies le caméra. Mais là, là, tu s'en vas, c'est la fucking lune, là. Une fois, là, t'as un rouleau, peut-être fucking Buzz Aldrin, il était vite sa gâchette, il fucking tripait sur l'Afrique, je sais pas, il était comme 24 prises. T'en as d'autres rouleaux? Non, juste un. Tu vas pas juste attendre pour un autre pôle, c'est-tu de la Terre? Non, il a juste poigné cette prise-là. Deuxième fois, peut-être qu'il a oublié l'appareil. Mais troisième fucking fois, t'es dans ma navette, t'es capitaine. Là, là, j'espère t'amener l'appareil, là, cette fois-ci. Mais pourquoi tu me regardes comme ça? On n'a pas mis le film. Si tu poses, t'es vraiment dans la lune, toi, hein? T'es même pas ça à la lune, t'es vraiment dedans. T'es dans la fucking lune. C'est la plus grosse conquête d'histoire d'exploration, là. On s'en va dans l'espace, on s'en va dans les étoiles. T'es dans les étoiles, la première fois, t'es dans les étoiles. Mais il me semble, la seule place où tu peux pas voir les étoiles, c'est quand t'es dans les étoiles. Y'a pas de fucking étoile dans cette photo-là. Y'a pas d'étoile. T'es dans les étoiles, parmi les étoiles. Non, on peut pas les voir. Moi, je m'en vais dans les Laurentides, là, c'est fucking clair la nuit, là. C'est tes ouatoules, là. Prochaine image, prochaine image. Elle est intéressante, celle-là, hein? Faire un petit test de perception. Voir si vous pouvez décerner lequel des prochaines images, série d'images, a l'air d'un tableau, une toile artistique ou une photo de la réalité. Par applaudissement, combien parmi vous pensent que cette image-là, c'est une toile? Applaudissements. Yeah. Combien pensent c'est une photo? T'as jamais été dans la campagne, toi, aussi? T'as l'air de ça, là. Toile de dimanche. OK, prochaine image. Ça va devenir plus dur, là. OK, par applaudissement. Combien parmi vous pensent que c'est une photo? Combien pensent que c'est une toile? Vous avez raison, c'est une toile. Je l'ai fait. Okay. Combien parmi vous pensent que cette image-là, c'est une photo de la réalité? Applaudissements. Combien pensent que c'est une toile? C'est une photo! Je l'ai pris. Prochaine image. Ça, c'est une photo authentique de NASA de l'Arctique. Par applaudissement, combien parmi vous pensent que c'est une photo? Applaudissez si vous pensez que c'est de la bullshit. Julie Payette, je parle bien. Bon, la prochaine image. Ça, c'est la lune de Jupiter qui s'appelle Olilapia. C'est une lune qu'on a découvert récemment. Ça, c'est Olilapia sans ombrage. Prochaine image. Ça, c'est la texture que j'ai découpée avec du papier de construction noir en fucking cercle, puis je l'ai juste placé dessus. Ça fait une fucking planète. Hein? C'est comme ça que tu peux faire des planètes. J'ai juste découpé une petite cercle, tu mets une texture, bang, des lunes maison. Tu peux pas être chassé, toi. C'est toi qui peux être NASA. OK, prochaine image. Ça, c'est Pupulipia. C'est une lune de Vénus qu'on a découvert récemment. OK, prochaine image. Sur mon chandail.
on avait juste à découper un sac, là, puis on croit en n'importe quoi, hein? OK, prochaine image. Non, ça sort pas sur l'Internet, puis c'est, ils niaisent tout le temps avec des détails de nerd, physique, mathématiques, NASA. Moi, je voulais savoir, c'est quoi la distance d'une photo captée de l'univers la plus longue dans l'univers? Puis là, il dit, là, ça, c'est la photo la plus distante qu'on a vue de tout l'univers. C'est une photo de l'univers en création, ça fait de là 13 milliards d'années. Mais si je veux la distance, pas l'âge, calice. Il donne la distance en âge. C'est ce que je demande à Luc. Hey, Luc, tu mesures combien? 42 ans. Et réponds, ouais, calice. Là, on a l'air des nerds niaiseux qui ne savent pas comment calculer. Là, tu vois, là, je veux savoir, une année-lumière, ça égale quoi? En kilomètres. Tu sais, je voulais savoir. Une année-lumière, OK, ça égale 10 trilliards de kilomètres. Un année-lumière. Là, il dit, c'est 14 milliards d'années-lumière, la distance le plus loin. Là, on fait la calcul. Donc, ça veut dire que la photo de la galaxie, la plus loin en distance, est comme... Esti, j'ai-tu un fucking nom pour ce chiffre-là, là? C'est quoi ça? C'est comme 1404 trilliards de fucking kilomètres, la distance! Ils ont pris une photo! Avec Hubble Telescope. Et check ça, là, c'est fucking loin, man. On l'a capté. Avec l'aide du télescope. Mais pendant que tu captes la distance la plus loin de l'univers, pivote donc ton télescope sur la Lune pour faire un zoom-in sur le drapeau américain, calice. Ouais, s'il y avait vraiment quelqu'un là. Walk the walk. Moi, j'ai entendu qu'ils n'ont jamais dépassé le champ électromagnétique. Il était juste 150 000 de la surface de la Terre. Puis quand ils te montrent l'image de la Terre et de l'espace, c'est pas que la planète Terre était ronde, c'est qu'il y avait une caméra sur une fenêtre ronde. Et tout le noir, tu vois ici, c'est qu'est-ce qu'il veut pas que tu saches. Qu'elle est fucking plate, la Terre, man. Il cache. C'est tout mon temps, vous êtes merveilleux, je suis Marco Allen, pensez ça!